Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel. Nous sommes aujourd'hui le 10 octobre et on va regarder avec l'oracle de Béline pour Zélin ce qu'il a pu de ski. Et j'espère que tout le monde va bien, que vous allez tous et toutes bien. Il doit être 3h30, c'est l'heure du café. Alors, j'ai fermé mes volets parce que j'avais trop de soleil, mais même en fermant, il reste un tout petit peu. J'espère que vous verrez bien les cartes. Je ne sais pas comment me mettre pour que vous puissiez bien les voir, mais je sais plus. Bon, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça. J'espère que vous n'avez pas eu trop de vent hier sur les côtes de l'ouest de l'Atlantique. Et apparemment, il y a eu du vent aussi sur Paris. Alors, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts chez vous. Nous, ça va. Nous, on nous avait prévu des grands vents. Et en fin de compte, on a eu des vents de 70 ou 80. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. On nous avait prévu, on nous avait fait peur. On nous avait prévu des vents de 130 ou 140 sur la côte. Ça ne s'est pas fait. La Vendée est beaucoup touchée, par contre, et puis le haut aussi, il me semble. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts. Allez, on regarde pour Zélin, qu'il n'a plus de ski. Ici, vous avez la méchanceté avec Mars. Et il y a une femme aussi qui gouverne tout ça. Je pense que c'est Vonder. Alors, Zélin, qu'il n'a plus de ski, je voulais le faire. Pourquoi? Parce qu'en moins de 48 heures, il vient de faire 4 capitales européennes. Londres, Rome, Berlin. Et là, il est rendu chez Manu. Alors, qu'est-ce qu'il cherche, monsieur? Là, on va regarder ce qu'il cherche. Qu'est-ce qu'il cherche encore? Allez, on regarde. On regarde Obéline. Qu'est-ce qu'il cherche? Zélin, plus loin, ski. On va dire comme ça. Zélin, plus loin. Qu'est-ce qu'il cherche, cet homme? Et est-ce qu'il va trouver ce qu'il cherche? Est-ce que vous voyez les cartes? Ah ben, j'en sais rien. Il y a ce reflet, là, que j'arrive pas à enlever. Une femme en centre de jeu qui mène la danse, qui mène la barque. Ça doit être Madame Vonders. Elle y est pour quelque chose. Actuellement, il se passe un changement avec Luc de la Reine et Poupou. Il y a un changement qui va arriver ici. Ici, vous avez le soleil et la protection pour Poupou. C'est très, très bien. Et Zélins, qui n'a plus de ski, lui, se retrouve pieds et mains liés. Je remène les cartes parce que je ne sais pas si vous les voyez. Il se retrouve pieds et mains liés. Il ne peut plus rien faire. C'est pour ça qu'il a fait 4 capitales en moins de 48 heures et que là, il a Paris. Certainement pour demander à Manu de l'aide, je pense qu'il va demander encore des sous, hein, bien sûr, et de l'aide militaire. Meilleure carte des tarots, carte bleue, protection pour nous. Protection pour nous parce que je sens bien qu'il va nous faire encore le coup du père François en demandant à Manu peut-être l'armée française. Et ça, ça me fait peur. Alors, est-ce qu'il va demander l'aide de l'armée française? Est-ce que Zélins, qui n'a pas de ski, va demander l'aide de l'armée française? Peut-être comme ça, oui, les cartes. Je vais rester comme ça. Alors, les plaisirs de la vie pour lui. Alors, les plaisirs de la vie. Alors, lui, ça va. Hein, lui, il embête tout le monde. Mais enfin, bon, toute cette horrible guerre entre Luc de la Reine et Poupou. Mais lui, ça va. Alors, changement ici pour lui. Alors, déjà, il y a un grand changement pour lui ici. Parce que le voilà là, Zélins, qui n'a plus de ski. Il devrait faire attention, cet homme, quand même. Parce que là, vous voyez, il a les problèmes, il a les plaisirs de la vie. Il a tout pour être heureux, si vous voulez. Sous Vonder, hein, appuyé par Vonder. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire là, elle, parce qu'elle n'est pas présidente de Luc de la Reine, mais bon. Et là, vous avez un accident pour lui. Il y a quelque chose ici. Ce sont des gens, aussi bien Manu que Zélins, qui l'a plus qui. Il va leur arriver un truc à eux. C'est karmique, ça revient. On va voir quelque chose ici. Une naissance. Il essaye de s'en sortir comme il peut parce que là, il est pieds et mains liés. Il vient sur Paris demander de l'aide. Je pense que c'est financier. On n'a pas sorti la carte de l'argent. Gros malaise quand même. Nous, on a une grosse protection. Ils nous font peur encore avec peut-être qu'ils vont vouloir envoyer, je dis bien peut-être, des troupes françaises sur Luc de la Reine. Peut-être. Il vient chercher certainement ça, lui. Parce qu'on ne voit pas ressortir. Il y aura l'argent aussi, sûrement. Il demande de l'aide financière, mais on ne voit pas l'argent. Par contre, on voit bien... peut-être des... Oh là là, c'est une catastrophe, il faudrait que je reste comme ça. On voit bien des troupes, il va demander des troupes élévation. Ici, vous avez ici le soleil en protection. Alors actuellement, lui, il est Zélins, qui n'a plus de ski, il n'a même plus rien. Vous voyez, il est handicapé, il a l'handicap, il est pris au piège. Il faudrait que cette guerre s'arrête quand même. Il faudrait que cette guerre s'arrête. Et puis, on va découvrir plein de choses là-bas. On va le découvrir bientôt, parce que ça va s'arrêter quelque part. Hein. Donc, on va le découvrir bientôt. On lui dit de faire attention, surtout en avion. En avion, je ne sais pas pourquoi, moi je vois un avion, on me dit qu'il devrait faire attention en avion, qu'il se méfie. Et ça lui créera un grand bonheur, ça c'est moche que je dis, mais ça nous créera un grand bonheur, quand tout va s'arrêter, nous on sera bien, si vous voulez, après. Hein. Alors il essaie de s'en sortir comme il peut, mais il a la couronne retournée, donc ça c'est un homme qui va, il restera pas, je pense pas qu'il reste cet homme, il se passe quelque chose. Alors je ne sais pas comment c'est chez eux, est-ce qu'ils ont des votes tous les 5 ans, est-ce que c'est à perpétuité,
qui sont rois, mais je ne sais pas. Mais la couronne renversée, donc normalement, il ne devrait pas rester. Je vais en demander 3. Est-ce que Zelens Plouinski va rester président de Luc de la Reine? La paix retournée, la beauté sous un retard. Sous un retard, ils ont la paix, Luc de la Reine. C'est bien ça, mais est-ce qu'il va rester, lui? Parce que pour moi, il ne reste pas ici. Est-ce que, oh là là, c'est une catastrophe ce soleil. Enfin, on ne va pas se plaindre quand même. Non, il y a un départ. Il y a un départ. C'est, alors, je vous fais voir parce que je vous dis, on ne voit rien. Donc. Voilà, il y a un départ pour lui. Ça ne saurait tarder d'ailleurs. Quelque chose qui arrive dans les 6 mois à venir. Les gens sont heureux. Du coup, suite à son départ, il y a une paix retrouvée. Vous avez ici Vénus qui vous amène le bonheur. Et puis, vous voyez, la faux sous un retard pour lui. Il y a quelque chose qui va se passer pour lui. Là, vous avez la carte de retard. Mais il y a quelque chose qui se passe pour lui. Il ne reste pas président, parce que dans les 6-7 mois à venir, il n'est plus là, lui, normalement. Allez, j'en mets une autre. Bah, vol, perte. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui reste ça. En attendant, il est venu demander, surtout, une aide de l'armée, pour moi, et une aide, bien sûr, financière. Je pense que l'aide financière va lui être accordée, même si on est quasiment sous tutelle. Si ce n'est pas officiel, mais on est quasiment sous tutelle. Ça y est, je l'avais dit, ça aussi, d'ailleurs. Mais il va certainement demander des troupes française. Et ça c'est pas bon. Mais ça va pas être accordé. Je pense pas que les troupes françaises soient accordées. Non. Il y a le cloître, ici c'est fermé, la prison, les troupes françaises restent en France. Ça c'est Manu. Et les honneurs à l'envers. Donc vous voyez, c'est pas terrible non plus pour Zelensky, il a plus de ski. Hein. C'est pas terrible non plus. Voilà, c'était une petite voyance. Je vous fais des grosses bises à tous. Je vous souhaite une très belle après-midi. J'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts. Je vous dis avec le vent, nous ça va, mais j'espère, je prie pour tout le monde. Et puis surtout que ça ne recommence pas, parce que moi je vois une très très grosse tempête qui arrive pour décembre. J'espère que je me trompe. Je vous fais des grosses bises à tous, je vous retrouve demain. Vous pouvez liker ma page, la partager ou vous abonner. À demain.